Eh bien, salut tout le monde, c'est Hashtag Gamer. J'espère que vous pétez la forme et que vous allez super bien. Alors aujourd'hui, une petite vidéo, analysons-la, sur l'arme de poing, la meilleure arme de poing pour moi, qui est le RK5. Le dérivé du B23R, hein, tous les joueurs de BOD diront, ouais, putain, on dirait le B23R. Bah, c'est le dérivé du B23R, simplement. Et donc, déjà, je vais vous dévoiler ses caractéristiques. Alors déjà, c'est une arme de poing, rafale de 3 coups, qui a 9 de dégâts, 4 de portée, 13 de cadence et 11 de précision. Alors 11 de précision et 13 de cadence, c'est très bien. Hein, franchement, ça suffit largement, c'est très bien 13 de cadence. Faut pas non plus que ce soit comme la Chicom, hein, qui soit cheatée quand même. Parce que la Chicom, on pouvait spammer la touche R1. Enfin, ou RB. Non, RT, pardon. Ensuite, 4 de portée, 4 top. Ouais, 4 de portée, c'est pas top quand même, c'est pas fou, mais si vous voulez rajouter un canon long, si vous l'avez, mais c'est pas top. 9 de dégâts, ça suffit. Je crois que canon long n'apporte pas de dégâts, mais si vous voulez, vous mettez balle blindée, je crois. Et je trouve qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de balles dans le chargeur, donc mettez chargeur grande cap si vous voulez. Et comme je suis gentil, comme d'habitude, hein, vous le savez très bien maintenant, je vais vous présenter une classe dans 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. Donc j'aime bien ce tour de magie, que je le pratique régulièrement. Hein. Le RK5, que j'ai mis en arme secondaire, oui, donc logique, avec une poignée ergo. Ensuite j'ai mis une grenade flash, j'ai mis deux jokers, j'ai mis soif d'atout 1 et soif d'atout 2. Alors en premier atout j'ai mis gilet pare-balles et le deuxième dans les atouts 1 j'ai mis surcadençage. Le deuxième atout c'était main leste et j'ai mis isolement aussi, voilà. Et le troisième, j'ai mis fonceur, comme ça dès que je cours, dès que je fais des glissades, dès que je fais des glissades, je peux tirer en même temps, c'est vraiment pratique. Et je suis, comme vous pouvez voir sur ce gameplay, je suis plutôt nul à chier, mais j'ai géré quelques moments, histoire de vous montrer un petit gameplay avec cette arme. Ouais, vous voyez, vraiment, ça a du mal avec la portée. Vraiment, c'est pour ça qu'il faut rajouter un canon long. Si vous l'avez, n'hésitez pas à le mettre. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like, commenter, partager la vidéo. Moi je vous dis dans une prochaine vidéo. Et à la prochaine. Allez, ciao. We'll be right back.
ennemis.